Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo à thème du vendredi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un petit thème qui je pense va vous plaire. C'est un thème positif je trouve, qui pourrait vous intéresser. Je me suis dit que... Donc conseil pour apprendre à s'aimer. Donc voilà. C'est des petits conseils parce qu'en fait je pense que vous le savez déjà, mais c'est plus facile s'auto-détruire, non, mais c'est plus facile de se détruire, oui, bah c'est négatif hein, concrètement, que de s'aimer, parce que ça, apprendre à s'aimer en fait ça demande quand même une certaine confiance en soi. Et donc, pour avoir confiance en soi, c'est très compliqué. Voilà. Il y a des événements dans vos vies qui font que vous n'avez peut-être vous n'avez pas forcément confiance en vous. Moi, je sais qu'il y a une période où vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi. Et donc, vous faites que vous... Quand vous n'avez pas confiance en vous, en fait, vous ne pensez pas à vous occuper de vous. Et c'est comme ça qu'en fait, que vous rentrez dans un cercle vicieux. Plus les autour de vous, je pense que quand on n'a pas confiance en soi, ben forcément on attire les personnes aussi qui vont vous détruire aussi. Voilà. Donc apprendre à vous aimer. Conseil pour apprendre à vous aimer. Je pense sincèrement que ces conseils-là, si vous tenez un bullet journal, je pense que c'est des conseils que vous devriez noter sur votre bullet journal ou faire une liste. Je vais essayer, si je m'en souviens, de vous noter les conseils dans la barre de description. Mais je pense sincèrement que pour vous aider, ça serait bien que vous le notiez, ces conseils, quelque part, si vous voulez les mettre en pratique. Donc, premier conseil. Alors, donc chaque mois, faire une liste des choses dont vous êtes fier, à remplir au fur et à mesure. Donc, oui, donc ça, les listes, c'est le bon truc, c'est pour faire ce genre de pratique, c'est le faire, faire un bullet journal ou faire un cahier avec des listes chaque mois remplir. Moi, je vous avoue qu'au début, je l'ai fait pendant, au début, j'avais envie de m'aider à m'aimer, à apprendre à m'aimer. Et je vous avoue que ce genre de liste au début, quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est vraiment compliqué parce que déjà de un, faut rentrer ça comme habitude positive et c'est vraiment compliqué de le faire quand vous n'avez pas l'habitude en fait. Moi je sais que j'ai ce genre de liste, j'ai eu du mal pendant un temps à le faire. Bon maintenant je le fais spontanément quand je remplis mon bullet journal. Je mets des petits trucs positifs, des petits points positifs et des moments positifs et tout ça. Mais quand vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai que c'est très compliqué à introduire dans vos habitudes. Voilà. Deuxième point. Trouver des tips pour se sentir bien dans votre corps. Pour se sentir bien, des rituels en fait. Il y en a, ça va être la cuisine, cuisiner équilibré. Il y en a, ça va être faire du sport, aller courir dehors, aller promener. Moi par exemple, je sais que c'est un rituel que j'ai depuis que j'ai eu mes problèmes de santé. Mon rituel, c'est de promener mon chien. Voilà, je le fais pas tous les jours parce que bon, voilà. Mais je sais que c'est un rituel. Et même pour mon chien, bah, pour qu'il se sente bien, je sais qu'il a besoin de... Parfois il me regarde en mode, s'il te plaît, on va promener, tu vois. Donc même mon chien a des rituels. Oui, vous avez le droit de me prendre pour une tarée. Oui, je vous autorise. C'est bon. Les chiens aussi ont des rituels, voilà. C'est mon avis, hein. Enfin, pour mon chien à moi en tout cas. Oui, vous pouvez me prendre pour une folle, je vous l'autorise, voilà. Je l'assume entièrement. Voilà, donc trouver des rituels, l'événement, vous maquiller, voir des personnes, aller à la bibliothèque, aller au cinéma, une fois de temps en temps, voilà. Moi je sais que j'aime bien aller au cinéma une fois de temps en temps, aller regarder un film. Passer du moment avec mes amis, enfin des petits rituels, vous voyez, pas obligé de le faire tous les jours, mais des petits rituels en fait. Et
Moi, je sais que depuis le temps que j'ai des petits rituels, eh ben, je sais que je suis bien en fait. Je me sens bien. Voilà. Alors, ensuite, numéro 3 comme conseil, connaître et faire respecter vos limites. Donc déjà, connaître vos limites. Je ne connaissais pas mes limites et ça fait très peu de temps que je les connais. Parce que en fait, moi pendant un long moment, il faut que vous sachiez, même en début 2024, en début de 2024, je croyais que j'étais encore la jeune femme que j'étais en 2018 avant mes problèmes de santé, vous voyez. Et ça, j'ai eu vraiment du mal à le mettre dans ma tête. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez régulièrement, je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus la patience que j'avais en 2018 et je n'ai plus la tolérance envers des personnes. Comme vous le savez, je suis à la base des bases, je travaille dans le service à la personne et je sais que maintenant, ça a été dur pour moi à accepter, mais je sais que maintenant, je n'ai plus la patience et la tolérance pour me faire parler comme une chienne. Voilà, parce que dans le service à la personne, dans les établissements, faut être vraiment accroché parce qu'il y a certains profils qui vous parlent très mal. Et ça, je sais que ce genre de situation sur le plan emploi, moi, je sais que je ne peux plus. Je ne peux plus, je n'ai plus la force mentale et je n'ai plus la tolérance pour subir des injures, des critiques, des en mode hey, « Eh, toi, t'es la boniche, t'es là pour faire ça, tu vois. » Moi, je sais que je n'ai plus la patience de faire ça. Et donc, c'est un très bon exemple. Voilà, ça, j'ai eu du mal à l'accepter, à connaître et faire respecter mes limites. J'ai eu du mal à le faire. Déjà, de connaître mes limites, maintenant, je les connais. Et je l'ai déjà connaître. Connaître vos limites. Ensuite, respecter que vous-même, respecter que vous avez et accepter que vous avez des limites. Vous voyez? Et une fois que vous les acceptez et que vous respectez vos propres limites, il faut les faire respecter par les autres. Et ça, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, surtout quand dans le passé, vous auriez pu avoir un profil passif et maintenant, vous n'êtes plus passif du tout. C'est très compliqué de serrer la vis auprès des personnes qui n'acceptent pas le changement, votre changement mental, et qui ont du mal à ils vont se braquer certainement si vous imposez des limites. Par exemple, je sais pas, une personne veut vous voir le samedi matin, mais vous avez démarré un nouveau sport. Et cette personne-là va vous ennuyer pour vous voir en mode non, mais va pas au sport, j'ai envie de te voir. Ben non, en fait. Faut respecter, faisiez respecter aux personnes que vous connaissez que si vous avez envie de pratiquer un sport tel jour, faut que vous fassiez respecter les autres que vous pratiquez un sport tel jour, que c'est devenu un rituel en fait, vous voyez. D'abord, connaître vos limites à vous et ensuite les faire respecter par votre entourage et par les autres. Faire respecter des limites auprès des autres, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les autres, en général, ils sont un peu braqués, un peu en mode on se voit tout le temps et tout ça, puis au final, vous vous dites non. C'est très compliqué de faire accepter aux autres vos propres limites. Et en général, ça part en cacahuète. Voilà. Donc, mais une fois que vous connaissiez vos propres limites à vous, en général, je pense que c'est plus facile de faire accepter aux autres vos limites. Point numéro 4. Prioriser tout ce qui génère des émotions positives pour vous. Voilà, donc ça c'est important aussi. Priorisez-vous tout ce qui est positif, des émotions positives pour vous. Alors moi je sais qu'avant j'étais vraiment en mode négatif et je faisais passer mes émotions négatives en priorité parce que j'étais en boucle. Voilà, j'étais énervée, j'étais triste. Ça m'énervait, il y avait tel truc qui m'agaçait et tout ça, et j'étais en boucle. Et en fait, depuis le temps que j'ai appris à prioriser mes émotions positives, dès que j'ai l'impression qu'il y a un... Que ce soit dans la vraie vie ou
parfois on peut tomber sur des vidéos, vous voyez, qui sont un peu négatives. Alors moi je sais que maintenant, avant j'aurais eu tendance, par curiosité, à regarder les vidéos à fond. Mais maintenant je sais que les vidéos, dès que je vois que quelqu'un dans une vidéo, l'autre jour j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse que j'aime bien. J'adore ses contenus. Mais elle était vraiment dans un mood hyper négatif. Et du coup, je me suis dit, bah c'est quoi, je vais arrêter la vidéo parce que là je sens qu'elle vraiment elle est dans un mood négatif et j'ai pas envie de voir ça en fait. Moi je sais que toutes les vidéos, tous les Instagram, tous les. Maintenant je fais très attention aux personnes que je suis sur YouTube parce que suivre des personnes négatives sur YouTube, c'est vraiment pas bon pour le moral parce que en plus, comme je le disais hier, j'ai parlé à une fille que je suis sur YouTube. Elle était vraiment dans un mood hyper hyper négatif. Et je lui ai dit, faut. En gros, je lui ai fait comprendre que fallait qu'elle fasse attention à elle. Parce qu'on sentait vraiment que ça n'allait pas. Au vu de ses stories. Pourtant, moi, je la connais pas personnellement, hein, cette fille-là. Mais je lui ai dit, fais attention parce qu'en fait, on sent à travers des vidéos. Ton mood est négatif et moi je lui ai dit sincèrement moi à un moment la semaine dernière je regardais, t'étais tellement dans un mood négatif que j'ai stoppé ta vidéo en fait parce que j'arrivais pas, tu étais, enfin voilà. Donc faites attention si vous faites des vidéos, surtout quand vous êtes dans un mood négatif, et coupez, enfin essayez de couper. Moi je sais que c'est ce que je fais, couper. Si vous filmez des vidéos, hein, bien sûr, coupez un petit peu en mode vos vidéos. Vous voyez, occupez-vous de vous, retrouvez votre mood positif. Parce que malheureusement, le mood négatif, ça se sent sur, quand on fait des vidéos, ça se sent. En fait. Les personnes qui regardent vos vidéos, ils le sentent. Et forcément, c'est pas très positif et ça donne pas envie de suivre. Moi personnellement, des personnes qui sont négatives tout au long de leurs vidéos, qui font critiquer, hurler, être négatif et tout ça, moi je sais que ce genre de profil, avant j'aurais eu tendance à regarder par curiosité, mais je sais que là ça fait quelques mois maintenant que j'essaye de ne pas regarder ce genre de profil de vidéos parce que déjà demain en général les gens ils sont. Les personnes négatives sont en boucle et ensuite et ben. Bah ça n'apporte rien en fait. Et vraiment si vous faites des vidéos, faites attention, comme je disais à la femme que je suis hier, on le ressent. Puis même pour vous, si vous êtes sous pression, ne faites pas de vidéos, c'est pas obligé de faire des vidéos en fait. Si vous êtes dans un mood négatif, faut vous occuper de vous et retrouver vos émotions positives en fait. Voilà. Donc point numéro 5, reconnaître que vous êtes la meilleure personne pour vous offrir tout l'amour dont vous avez besoin. Il y a, enfin, ça a tendance à énerver quand moi je suis en, enfin, ça va, j'ai pas un ego surdimensionné, mais moi j'aime reconnaître que je suis la meilleure personne, voilà. Ça fait un peu genre j'ai un ego surdimensionné, vous voyez. Mais je sais que je suis la meilleure personne, et voilà en fait, je m'aime, et voilà, j'aime m'occuper de moi, j'aime prendre soin de moi, j'aime faire des choses qui me plaisent, et voilà, et puis et donc voilà, moi depuis le temps que j'accepte ça de m'occuper de moi d'abord et après de privilégier de m'occuper des autres, et ça fait du bien en fait de s'occuper de soi et de s'aimer, et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même comme on dit. Donc c'est vraiment important de vous aimer avant de vous occuper des autres. Voilà. Parce que quand vous êtes positif, et ben voilà, le positif attire le positif, comme on dit. Voilà, donc c'est très important de vous aimer. Osez dépasser vos peurs pour prendre confiance en vous. Alors oui, bon, ça c'est un peu. Tu vas dire, ouais, mais moi j'ai peur de telle chose, Marion, j'ai peur de me jeter dans le vide, c'est pas maintenant que je vais me jeter dans le vide. Ah ouais, mais écoutez, c'est moi qui dis ça, je vous dis jetez-vous dans le vide, mais moi je ferai pas, hein, sincèrement. Mais osez dépasser vos peurs. Je vais prendre l'exemple de YouTube. Vous avez envie de créer du contenu, ou bien sur les réseaux sociaux, vous avez envie de créer du contenu, mais vous avez peur des critiques, des personnes qui vont vous regarder et tout ça. Mais osez passer au-dessus des regards des autres. Vous vous en foutez. Si vous avez envie de faire des vidéos YouTube, si,
Si vous pensez que votre contenu peut être intéressant pour les autres et vous, ça vous plaît de partager tel sujet, et ben faites-le en fait. À partir du moment où le sujet est positif, bienveillant, voilà, il n'y a pas de problème en fait. Vous avez le droit, on est dans un monde où on a le droit de s'exprimer, donc n'ayez pas peur, passez au-dessus de ça. Moi je sais que pendant un temps j'avais peur j'ai mis du temps hein, quand même pour commencer les vidéos. Mais sincèrement, moi, ça, bon, à part quand j'avais mes problèmes de santé, bien sûr, j'ai arrêté pendant un petit moment. Mais sincèrement, moi, ça va faire, depuis 2016, je crois que j'ai démarré. Ça fait quelques années maintenant, et franchement, moi, j'adore. Franchement, au début, j'avais peur, et puis je suis passée au-dessus de ma peur. Et puis, plus les mois passent, et plus j'ai envie de créer du contenu. Et puis voilà, si ça plaît pas, c'est pas grave. Moi, tant que ça me plaît à moi, c'est le principal, en fait. Tant que ça vous plaît à vous, ce que vous faites, c'est tout ce qui importe. Voilà. Voilà, osez dépasser vos peurs pour prendre confiance en vous. Donc voilà, c'est toujours conseil pour apprendre à vous aimer. C'était 6 petits conseils pour apprendre à vous aimer. Donc n'ayez pas peur de les mettre en place. Moi, je vous dis sincèrement, au début, j'avais peur, mais enfin, plus les années passent et plus ces conseils-là, je les mets en place. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo à thème de cette semaine. Je vous dis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à donner votre avis en privé, en commentaire, enfin bref, vous savez. Hein. J'ai créé un Duid, donc n'hésitez pas aussi à venir vous abonner à ce nouveau réseau. Je vous dis à bientôt et ciao, bye bye, salut.